fitiavako chocolat, anisany manalanoanana le izy an. De mihinana chocolat foana rehefa misy, na isan'andro na isan'andro isan'andro. Chocolat ve? Ara tsara be, tena tsara indrindra. Tena hoe gaga raha misy olona tsy tia chocolat, tena hoe c'est la base aux insultes. Vous l'avez compris, le chocolat fait plaisir à beaucoup de monde. C'est un trésor de saveurs qui procure du bonheur à notre palais, mais il possède aussi des bienfaits pour la santé. La première chose à savoir, c'est que le chocolat est bourré de minéraux et de vitamines. Il contient de la vitamine B2, du calcium, de l'iode, du magnésium, du manganèse, du potassium et de la vitamine B12. Il est aussi bon pour le cœur. Grâce aux flavonoïdes contenus dans le cacao, le chocolat noir diminue les risques de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle communément les AVC. Le chocolat améliore le fonctionnement des artères et de la circulation sanguine. Le chocolat est aussi connu pour entretenir et booster la mémoire. Il améliore également la concentration. C'est pourquoi les enfants qui passent leur examen officiel arrivent toujours en salle avec une tablette de chocolat. Enfin, le chocolat est bon pour le moral, pour ceux qui pratiquent du sport, mais aussi pour la peau de celles qui aiment entretenir leur beauté. Le magnésium contenu dans le cacao aide à combattre la fatigue, le stress et l'anxiété. Mais on dit que le chocolat provoque de l'allergie. Est-ce vrai, docteur? Misy antony anakiroa miafa no mahatonga ny allergie amin'ny chocolat, hein? Voalohany na le cacao ao anaty chocolat iny a. Na le singa hafa ingrédients le chocolat de matetika moa le cacao anaty chocolat iny no mahatonga le izy misy an'le protéine ao anatiny no mahatonga le allergie na raha le ingrédients le chocolat koa izy de possible misy hoe ronono gluten blé noix rehetrarehetra mety hitarika allergie amin'ny chocolat daholo. Si vous présentez une réaction allergique à cause du chocolat, la première chose à faire, c'est de ne pas manger du chocolat pendant un certain temps. Faites une pause chocolat pendant un mois avant d'en reprendre. Puis, commencez par consommer 2 carrés au lieu d'une tablette entière afin d'éviter toute complication. Pour savoir si votre allergie a été causée par une substance dans le chocolat, le médecin conseille de manger du chocolat noir après avoir eu une réaction allergique. Le chocolat noir contient du cacao pur et pas d'autres ingrédients. Normalement, si vous n'avez pas de réaction allergique après ça, c'est que votre allergie est bel et bien causé par un ingrédient contenu dans le chocolat.